Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, excusez-moi pour le retard, j'ai eu un très gros bug quand j'ai lancé Streamlabs, n'importe quoi, OBS. En fait, ma clé streamer ne fonctionnait plus, donc c'est un peu con, donc j'ai dû retourner sur Twitch, récupérer ma clé, la remettre, paramétrer OBS vite fait. Donc c'est pour ça que j'ai 2-3 minutes de retard, je m'en excuse. Du coup, on se retrouve quand même aujourd'hui pour la suite de la rénovation des mondes. On va continuer la petite maison jaune qui est pour le couple de garçons qui est dans, je sais plus comment il s'appelle ce quartier là. Mais voilà, on va continuer leur maison. Du coup, bah coucou Julie, coucou Gaïana, coucou Athanaïs, coucou Leps. Je vois que j'ai récupéré Bessie Fille, oui. Coucou Ninou également. Ce oui, pour ceux qui ne le savent pas, hier soir, nous avons terminé. Tout simplement, on a terminé le challenge de Phébusa. Donc, c'est-à-dire que dès vendredi soir, à 21h, on fera du Kena Bridge of Spirits sur PS5. Si tout se passe bien, normalement, voilà, on sera dessus. Coucou Piu Piu également, j'espère que tu vas bien. Je mets mon petit casque où je vais entendre la petite musique toute douce, voilà. Merci Gaïana pour ton resub, merci beaucoup. Merci, ça a fait super plaisir. Écoutez, sans plus tarder, on va passer directement au jeu. Si le jeu veut bien s'afficher, oui. Mais donc voilà, ouais, donc excusez-moi hein, du coup pour le petit retard. Je pense que ma clé Twitch a changé à cause du gros leak qu'il y a eu hier. Je pense que toutes les clés stream ont changé. J'ai rien fait pour la changer et bon, je peux pas la changer moi-même, donc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé une bonne nuit. Passé une bonne soirée si jamais vous étiez pas avec nous hier soir. Mais donc voilà. Voilà. Alors, attendez, je check juste un petit truc sur ma tablette. Voilà, et voilà. Hop. Donc, voici ce qu'on a fait hier. Voilà, on avait commencé ceci. Je suis plutôt content de la forme de la maison et tout. Ça, c'est vraiment ce que je voulais donner. Hop, ici, on a la maison. Bon, vous voyez, ça a encore effacé mon terrain. Mais bon, c'est pas très, très grave. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire dès ce matin? Est-ce qu'on continue l'extérieur? Je pense que cette fois-ci, cette maison-là, on va terminer l'extérieur avant de faire l'intérieur. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée. Alors. Hop là. Bah alors. Eh, le jeu. Bah. Attendez. J'ai des bugs avec mes touches. Ça commence bien le stream. Je commence le stream en retard. Je viens de voir un tweet. Ils auraient installé toutes les clés. Ah bah, c'est ce qui m'est arrivé. Bah ouais, bah c'est ce qui m'est arrivé du coup. Bon, ça va. C'est juste un. En fait, OBS a tout de suite compris que ma clé de stream ne fonctionnait plus. Donc, ouais, bon. C'est chiant les bugs de peinture de terrain. Mais tellement tu passes du temps à faire ton truc et ça s'efface. C'est très très relou. Et coucou 06, comment tu vas? On va faire ça de manière un petit peu grossière pour l'instant. Après on va venir rajouter ici des petits parterres de fleurs, là également. Je pense également rajouter un petit lac. Genre un petit lac ici, ça pourrait très bien rendre, je pense. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. J'ai commencé le stream un petit peu en retard parce que ma clé du streamer ne fonctionnait plus. Et je suis désolé, bon, on va déjeuner ensemble. J'ai faim. Et coucou Adu, comment tu vas? Et coucou Tumnus, comment tu vas également? Tu n'étais pas en live il y a encore quelques minutes? T'as peut-être arrêté ton live. Très bien, bien, bien. Bon bah écoute, tant mieux. Et coucou Jessica.
Ouais, mais si je fais ça. Ça peut être marrant si je mets le lac dans l'eau. Si j'étais en live. Ouh, tu le savais comment je te faisais. Bah oui, parce qu'en fait, avant de commencer mes streams, je regarde toujours, il y a qui stream avant moi. Enfin, avant que je commence. On va tenter des trucs avec le lac. Hein, pour ça que je... Hey, coucou, Chaleur, comment tu vas? Alors, ouais, je suis pas très fan qu'il soit dans l'eau quand même. Hein. Et coucou Cyril, comment tu vas? Elle me dit, il y a tout mon nom raid qui vient. J'ai dit aller chez Mister C. Et ils sont là, je les ai bien aimés. Bah écoute, merci Tubus pour ton nom raid. Merci à toi. Et à coucou à ceux qui étaient là. Coucou Jessica également. Comment j'arrive à... Ça fait 2 jours de suite que je rate mon thé. Comment c'est possible? Ça va nickel, j'ai reçu enfin ma box. Ben là, je galère à l'installer. Les gars, la box quoi? La box internet? Oh. Ça va, et tu es. Je prépare le New October de cette semaine. C'est un casse-tête. Ah, je veux bien croire. Noxine joue pas avec la poubelle. Oh là là, j'en peux plus de ce chat. Comment on fait pour rater un thé? Bah en vrai je sais pas, ça fait déjà 2 fois. En fait alors je sais que c'est pas bien, mais j'ai du thé en sachet pour l'instant. En fait j'écoule mon thé en sachet avant d'en racheter en vrac. Pour pas jeter, je les ai. Et en fait ça fait 2 sachets là où le sachet il est... enfin, où le thé il est fade. Pourtant j'ai rien changé de plus hein. C'est la même eau, je mets la même dose de sucre. Donc je comprends pas. Je l'ai peut-être trop fait infuser encore. Peut-être ça. Ah, en vrai, il y a grave moyen que ce soit ça, parce que à cause de Twitch... D'ailleurs, Cyril, je te le dis tout de suite. Va sur OBS et va remettre ta clé streamer à la changer. Je me suis fait brain en... Oui, je me suis fait brain en changeant... en lançant le stream tout à l'heure. Je clique sur lancer le stream. Et ça fait votre clé streamer n'est plus valide. Apparemment, à cause des leaks et tout, ils ont changé les... Ils ont préféré changer les clés des streamers de tout le monde. Coucou Célia, j'ai l'impression d'être la performance, donc bon, j'attends que ça s'installe, je comprends. C'est une box fibre, ok. La mise à jour de la box a du mal à se faire, ah ouais je comprends. Ah bah ça va te prévenir truc. Bah en vrai j'ai pas paniqué parce que je me suis dit ça doit être par rapport à ce qui s'est passé hier. Bah bon tu sais que Twitch et la communication c'est pas tout à fait ça hein. J'ai passé une partie de ma soirée à changer mes mots de passe. Faut que je fasse, j'ai toujours pas changé mon mot de passe de ma chaîne Twitch. J'ai voulu hier, mais en fait, le mot de passe que j'avais trouvé, il m'a dit il n'est pas assez compliqué. J'étais en mode, bah allez vous faire foutre les gars. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Parce que c'est bien beau de mettre un mot de passe compliqué, mais faut que moi-même, j'arrive à le retenir. Parce que je vais pas le noter sur un post-it, sinon ça n'a aucun intérêt. Communique, je connais pas, bah c'est ça. Hop, ok, attends, on va passer une autre heure de la journée pour que ça soit plus joli, yes. Y avait quoi de base dans leur jardin, je me souviens plus. Ça va, tu vis ta meilleure vie, toi, à courir comme une dératée dans le couloir parce que tu sors de ta litière? Bonne année pour tu me dis. Hop. Comment tu vas du coup Célia? Je sais même plus si c'est bon. Je sais plus si je te l'ai dit. J'ai un doute. Et alors du coup hier. Mais il est taré ce chat. Je sais pas si vous l'avez entendu. Genre j'ai commencé à parler assez bas. Ça paraît en courant. Du coup j'ai plus ce que je disais. Merde. Ah. Et bah tant pis ça me reviendra. Ça me reviendra. Alors, il faut... Ah si, hier soir, après le stream, du coup, j'ai postulé à l'offre d'emploi qui était sur Orléans.
Donc j'attends d'avoir une réponse. J'ai plus de nouvelles pour le poste de Chambéry. Ils auraient dû m'envoyer un mail avec les infos de la boîte, l'adresse et à l'heure à laquelle je devais me pointer. Ils l'ont toujours pas fait. Je vais relancer après le stream. Mais voilà. Ah bah yes. Je vais mettre ce genre de panneau parce que avec ce genre de panneau, on peut quand même. Normalement, on peut pêcher. Tu demandais s'il y avait dans le jardin. Oui, c'est vrai que je me demandais ce qu'il y avait dans le jardin de base. Mais je voulais aussi parler de ma soirée d'hier. Alors non, j'ai toujours pas fait le point d'exclamation poubelle, le point d'exclamation boîte aux lettres. Je m'endormais sur mon ordi hier soir, du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais le faire à un moment donné. Je vais le faire. Quand, je ne sais pas, mais je vais le faire. C'est ça que je cherchais. Je vais changer les couleurs après. Alors ça, qu'on puisse changer les couleurs de ce truc là, c'est trop bien. Bon, alors il va falloir m'expliquer la différence entre ça. Ah ouais, c'est très léger, mais c'est déjà ça. Voilà. En vrai, je trouve que cette ville là, enfin vraiment ces deux maisons là, ces deux là, elles passeraient très bien pour faire une ferme pour, avec vie à la campagne. Coucou Snoopy, comment tu vas? Comment vas-tu? À la fin de la rénovation des mondes, oui, à la fin de la rénovation des mondes, oui. Tu as terminé la maison de Phébusa? Oui, on l'a terminé hier soir, la maison de Phébusa. Donc ça veut dire que comme on a terminé la maison de Phébusa hier soir, de une, des gens ont gagné pas mal de thunes. Et de deux, ça veut dire aussi que. Enfin, de points de chaîne. Et de deux, c'est-à-dire que vendredi à 21h, on se fera Kena Bridge of Spirit sur PS5. Donc je vous invite à venir me rejoindre vendredi soir à 21h. Parce que je pense que le jeu va vraiment vous... enfin, vous allez l'aimer. Il faut savoir que je l'ai lancé moi de mon côté. Juste... Et puis pour voir tout simplement si avec le... Ça ramait pas trop, même depuis OBS. Donc ça a l'air d'aller. Et j'ai juste fait le tuto de début. Genre j'ai fait les deux premières minutes du tuto. Donc j'ai littéralement rien vu du jeu. Si ce n'est que le jeu, il est d'une beauté sans nom. Il est vraiment, enfin le jeu est vraiment très très beau. Donc du coup, comment dire, j'ai hâte de vous le montrer. Et d'ailleurs, Cyril, si tu voudras passer vendredi soir, n'hésite pas parce que je pense que le jeu, tu devrais bien l'aimer aussi. Et coucou Voyelle, comment tu vas? Coucou Rose de Lune également. Tu penseras peut-être à créer les commandes à la fin de la rénovation des mondes. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que ce soir, moi, je suis de repos. Donc, c'est vrai que j'aurai le temps. Enfin, je dis ça, mais je crois que j'ai des trucs de prévu ce soir. Mais, enfin, oui, quoi qu'il arrive. Hop, 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 Bester, c'est là. Je suis pas là vendredi, impératif habile. Ah, bah, c'est pas grave. Oh, la suite au prochain épisode. Ouais, c'est exact, Voyelle. J'espère que tu vas bien. J'aime bien ces petits buissons. Avant, je les aimais pas, puis je sais pas. Je me suis repris d'amour pour ces buissons. On va peut-être encore les réduire, tiens. Le seul hic avec ces buissons-là, c'est qu'ils volent. Bon, après, c'est pas grave, on va mettre des cailloux. On va mettre ces petits cailloux-là, qu'on va venir rentrer dans le sol avec le mode tool. On va faire la même ici, la même là. Et toi, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Moi ça va, ça va, ça va. Un petit peu fatigué parce que je me suis encore couché bien trop tard. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Moins 1,5. Je pense que 1,5 c'est peut-être trop. Non, pas moins 15. On va partir dans les tréfonds du monde là. Ah, pas assez. Élévation, moins 1,5 encore. 0,5, pardon.
Ah, peut-être un petit peu trop. 0,2. Voilà, on est mieux quand même. Mais sinon, moi, ça va. Faut encore que je retourne à Auchan parce qu'il me manque 2-3 babioles. J'en ai marre. Pourtant, je fais mes courses, je fais une liste et à chaque fois, j'oublie de me prendre des trucs. Si, ça y est, je me souviens ce que je dois faire ce soir. Je dois faire le ménage et la lessive. Je n'ai plus rien à apporter. Genre, ça fait littéralement 2 semaines que je n'ai pas fait de lessive. Du coup, ça s'entasse dans mon panier à linge sale. Et comme en ce moment, il commence à faire froid, mes vêtements, ils vont mettre 20 ans à sécher. Là, il faut vraiment que je commence à me manier. Pour vous dire, j'ai sorti cette chemise que je porte presque plus jamais. Parce que j'ai vraiment plus rien. T'as la seule femme pour 2 semaines? Oui. Bon, après, on va pas se mentir, depuis hier, j'ai un peu la flemme de m'habiller. Et j'ai mon pantalon de pyjama. Enfin, j'ai mon jogging de pyjama que je dors avec. J'avoue, parce que souvent j'ai froid. Et même avec un jean, avec mes jeans, j'ai froid. Alors qu'avec mon jogging, j'ai chaud. Je Kenna est aussi beau que le serait un bébé de toi et de Cyril. Alors je sais pas d'où vous êtes sorti cette idée de bébé et Cyril. Mais vous imaginez le monstre qui va sortir de ce truc? Genre, enfin de ce truc quand je dis de cette relation. Genre ça va être un bébé totalement frappadingue sur la construction. Genre à peine sorti, j'en ai à peine sorti du ventre, il va faire hey, la salle d'opération, la salle d'accouchement, elle est moche, il faut changer les couleurs, faut changer ça, il n'y a pas assez de fenêtres. Et coucou Aurélien, comment tu vas? Non, c'est pour ça après, de ce truc, je voulais dire de cette relation fictive que vous nous inventez. Oui, moi je pense qu'il serait capable de raser toutes les villes pour pouvoir les refaire. Donc non, 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 on aurait affaire à un dictateur de la construction. Sous de la fanfiction, c'est ça. Alors, moi, donc, et puis ici, donnez-moi du batou. Je sais pas si votre chat fait ça. On va parler instant glamour. Il est quelle heure? Il est 11h22. On va parler instant glamour. Oui, Noxy. En fait, je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais moi, mon chat, une fois qu'elle a fini de faire ses besoins primaires dans sa litière, de type grosse commission dans la litière, elle panique et elle court partout dans l'appartement et elle miaule partout. Et coucou Epsila, comment tu vas? Depuis, je renonce à mon rêve. Oh, je reçois mon nouveau PC. Ah la chance! Bah, moi, c'est pas pour tout de suite, hein. Et coucou Chabou, comment tu vas? Ah, doit de le faire par ça. Bon. Ça va, toi? Bah écoutez, ça va, ça va, ça va. Et salut, ça va? J'ai eu un gros bug Twitch, je ne pouvais pas trouver. Je ne trouvais pas. Ça trouvait pas ton live. Ah ouais? Bah, coucou à toi, Dame Nassio, quand même. Puis, vous savez, j'ai déjà trop de barils, moi. Je sais plus, j'ai plus de place à fort, j'avoue. Et coucou Linette, comment tu vas? Elle est. Peut-être, ouais. Peut-être. Moi, la mienne fait dans le jardin. Donc, pas de litière. Quelle chance. T'as mis ton challenge. Alors, je peux qu'elle aille bien. Oh, cool. J'espère que tu t'es bien amusé sur le challenge. Parce que c'est quand même le but premier. Hein, c'est que mon challenge, vous vous amusez avec. Hein. Carrément, attendez. Au moins, je te regarderai sur un écran au lieu de téléphone. Mais après, de toute façon, là, Twitch, ils sont un peu en PLS. Hein. Ils vont changer plein de trucs parce que bah, depuis qu'il y a eu le leak, vous doutez bien que, à mon avis, la Twitch va pas tarder. Enfin, va pas tarder. Il va y avoir des gros changements sur Twitch dans pas long, enfin, dans les prochaines semaines, voire slash mois. Alors, je pense. Hein. Parce qu'à cause du leak, il faut savoir que l'intégralité du code de Twitch a leaké sur Internet. Donc, littéralement. On peut refaire Twitch sur un autre site. À mon avis, ils vont changer pas mal de choses.
Dans les prochaines semaines, prochains mois, je pense. Non, même avec mon chat, il part en cacahuète à chaque fois. Ah bon, bah voilà. Mais ouais. Pardon, j'ai une fenêtre qui s'est affichée sur mon écran. Pour le coup, ça c'est presque une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr. S'il pouvait y avoir un sérieux concurrent à Twitch, ce serait vraiment très bien. Bah, il y en a eu, il y a des concurrents qui ont essayé, hein, mais ils se sont fait écraser, quoi. Faut se donner un point de rendez-vous quelque part pour se retrouver au cas où. De quoi? Oh. Si vous voulez un point de rendez-vous pour savoir si je stream ou pas, vous venez sur mon Discord. Tout simplement. Le Discord, il vous notifie normalement dans les 3 minutes où je suis en live. Normalement. Et coucou Simkiki, comment tu vas? Ça me coûte de sauvegarde d'ailleurs. Ah, c'est Twitch ferme. Oh là là, Twitch est pas prêt de fermer. Oh là là. S'il y a bien une chose qu'on a appris avec ce leak de Twitch, c'est qu'il y a des streamers qui gagnent énormément bien leur vie, et tant mieux pour eux. Enfin, leur société gagne énormément. Mais il faut se dire que le pourcentage du prix qui est payé, sachez que Twitch se prend une énorme commission dessus. Parce que là, ce que vous voyez... Je pense, hein, parce que si c'est vraiment le salaire des streamers, enfin, pas le salaire, mais le montant que gagne la société des streamers, ça veut dire que Twitch en a pris de base au moins 30% du montant qui est affiché. Chiffre d'affaires, merci. Donc, ceux qui s'offusquent des montants des streamers, offusquez-vous plutôt du montant que se prend Twitch. C'est le revenu de Twitch uniquement. Ah, pardon. Oui, donc c'est ça, Twitch uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 30% qu'a récupéré Twitch d'abord. C'est même pas un chiffre d'affaires complet de leur entreprise. Il n'y a pas les sponsors. Oui, il n'y a pas les dons, etc. Oui, c'est ça. Il y a déjà des changements depuis quelques jours. Sur la gauche, j'ai l'espace supplémentaire implanté. Les spectateurs de ce streamer regardent également. Ah ouais, je savais pas. C'est le revenu brut de Twitch, ok, ouais. Oui, donc c'est ça, donc ouais. Noxy, eh. Après, moi, je vais pas vous mentir, je me suis... Enfin, à part, j'ai vu le tweet de Zerator que j'ai lu vite fait en diagonale. Franchement, moi, cette affaire, c'est pas que je m'en fiche, hein, mais... qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que gagnent les autres chats? Eh Noxy, viens là. Espèce d'horrible chat qui n'arrête pas de miauler. C'est moi ou... Non, si, je trouve que c'était pas centré. J'ai failli faire une syncope. Il y a tellement de succès... Attends, il a tellement dû se justifier. Oui, non, mais ça, après... Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient que quand ils sub, bah, ils donnent de l'argent, hein. Genre, en fait, j'ai juste l'impression que les gens, ils ont oublié que quand tu fais cette action-là, bah, tu donnes de l'argent. C'est tout. Je suis sur Brilanton Bay, la ville qui vient avec chien et chat. Mais qu'est-ce que t'as à miauler, toi? Mais oui, bah oui, non mais d'accord, mais j'ai bien compris. Hein? Viens là, viens là. Viens. Et coucou Ratakun. Oh, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, comment tu vas? Mais ouais.
Soon, Mr. Slee fait la même chose. Hein. Non, je suis très très loin. Soon, Mr. Slee top 10 aussi. Pas de s'offusquer, c'est un business comme un autre. Exactement. Ça va, toi, j'ai été un peu absorbé par les cours en ligne. T'inquiète, y a pas de souci. Merci Théo pour le follow. Merci à toi. Théo est pas content. Et pourquoi tu n'es pas content, Théo? Dis-nous tout. On n'a pas vraiment justifié. Lui, il sent Balek, je pense. Il a juste expliqué. Il a mis les points sur les i. C'est la moitié des gens ont rien compris à ces chiffres. Et c'est très bien de sa part, je trouve. Oui, non, mais oui. Ouais, j'ai juste lu le truc un peu en diagonale. Puis comme j'ai dit, moi, voilà. Je m'en fiche un peu que les trucs éliques. Hein. Hop. Surtout que c'est pas ce que le streamer gagne, c'est ça, oui. C'est le revenu brut, une partie du chiffre d'affaires. On parle même pas de salaire de gens qui ont rien pigé, c'est ça. Avec ces deux espaces chaînes recommandées, les spectateurs de ce streamer regardent également. Ils me bouffent toute la fenêtre de gauche. Eh bien, je ne vois plus qui part en live. Et personne que je suis régulièrement. Du coup, je loupe des lives. Et il n'y a pas de case à décocher de nulle part pour supprimer ces deux espaces dont je me contrefous royalement. Bah, j'avoue que... Bah, après, c'est pour faire de la pub, entre guillemets, tu vois. Mais j'avoue, c'est... Oui, c'est relou. Je peux comprendre. Moi, je l'ai pas, ça, encore. En même temps, je vais rarement sur Twitch PC. Et ce chat. Cela, comme je m'occupe pas d'elle, elle est en train de faire des conneries. Noxie, si tu veux pas que je te pudisse, il va peut-être falloir que tu arrêtes tes caprices, là. Tu as de quoi boire, de quoi manger. J'ai mis de l'eau dans la baignoire. J'ai mis de l'eau dans la fontaine. Ah, j'en ai marre de ce chat. J'en ai marre de ce chat qui miaule pour de la merde. Ah là là. J'ai trop pu de Lydia. Donc si peux-tu arrêter de miauler devant la porte d'entrée, les voisins vont croire que je te bats. Alors, je menace juste de t'empailler, c'est tout ce que je fais. Menace qui pourrait arriver à exécution si tu continues de miauler. Quand j'ai fait ça, je l'ai vu assez barré dans le couloir. Enfin, pas dans le couloir, mais dans la cuisine. En mode, hop, 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 je me cache. Attendez, je vais aller voir ce qu'elle veut parce qu'elle me saoule. Attendez, je reviens. Voilà, elle veut de l'attention, je lui en donne. Voici Noxie, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Dame Noxie qui passe son temps à miauler pendant mes streams. Oui. Tu vas faire une construction à chaque couleur. Non, 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 là je fais une rouge et une jaune, j'en avais envie. Bah oui, ça va mieux. Bah voilà. Ah super, j'ai une image d'origine à faire. Vous voyez sa patte ou pas? Regardez, sa patte, elle patoune dans le vide dès que je la caresse. Et même dès que je lui parle. Vous la voyez là? C'est quoi ta couleur préférée? Oh, j'aime bien le rouge en vrai. Va voir que je te coupe tes griffes, toi, par contre, parce que je vois que c'est un peu rebiqué, là. Et coucou, Ria, comment tu vas? Elle est trop choupinette. Ouais, choupinette quand elle se tait. Mais c'est ça que tu voulais juste des caresses, mais t'en voulais dans le salon et pas ici. Bah oui, mon chat. Et coucou, Chloé, comment tu vas?
Ça va mieux, mon chat, ça y est. T'as fini de faire ton caca boudin? Trop d'amour. Coucou, Soln. J'espère que tu vas bien. Décidément, j'adore les extérieurs que tu fais. Ils sont tellement beaux, c'est gentil. Bah, j'ai l'impression que mon chat va rester comme ça, hein, parce que là, elle est en train de s'endormir. Je suis pas dans la merde. Parce que là, j'ai les deux mains sur le chat. Je ne peux rien faire. Je suis prisonnier. Help! Ils sont parfois pires que les gosses. Bah, non, c'est ça, hein, pire que des gosses. Bah, excuse-moi, je pourrais pas lire ton pseudo, mais merci à toi si tu es une vraie personne. Je ne pense pas, vu le ton pseudo, mais. Fin du live, non, peut-être pas non plus. Elle est aussi collante que la glu. Mais non, mais je vous jure, mais pire qu'un enfant. Hein. Mon chat est en train de m'attaquer le pied, perso. Je préférerais les câlins. Ça, moi, elle fait pas, elle m'attaque pas. Et coucou Caroline, comment tu veux? Ah oui, là je suis séquestré, hein. Envoyez le GIGN. Je suis séquestré par mon propre chat. Voyez son oreille là. Tu me laisses tranquille, Noxy, ou pas? Elle a la griffe plantée dans mon bras là. Autant vous dire que c'est pas très agréable. Hein. Bon, j'ai une main de libre. Alors, attendez, on peut peut-être essayer de faire des petits trucs. Ça va la saouler que je fasse autre chose que. Bah oui, hein. Et merci Maliara, merci à toi pour le follow. Ils sont sous la couette, elle sait pas ce que sont piqués. Ah oui, d'accord, oui, je vois. J'ai un chat sur mes jambes, un à côté de moi, un sur le dossier du canapé. Le quatrième doit pas être loin. Ah, tu as quatre chats? Oh, tu fais. Déjà, moi, une, elle me rend fou. Mais alors, quatre quand même, mais je pense que. Bah, je pense que je l'empaille pour de vrai. J'ai l'impression que ta griffe, en fait, elle est bloquée. Attends, mon chat. Voilà. Oh, je suis libre! Tu peux rester sur mes genoux si tu veux, Noxy, mais. Ah oui, j'en avais même 5 il y en a un demi. Ah oui, quand même. Ah non, bah, autant de chats, je peux pas, hein. Parce qu'avoir un chat, c'est bien, mais nettoyer la litière d'un chat, mais quelle horreur! Oh là là, ça fait 4 ans que je l'ai, là, et chaque fois, c'est un calvaire de faire ça. Ma chaîne est collante aussi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un quand elle, avec elle, et quand elle dort, elle a une petite patte sur sa tête, ou sa tête sur l'un d'entre nous. Elle fait un peu la même chose, moi. Il faut toujours qu'elle soit à côté de moi, et quand elle dort. Qu'il y ait un contact avec moi. Généralement, elle met une patte sur ma jambe ou un truc comme ça. Mais faut qu'il y ait un contact parce que sinon, bah, elle n'est pas contente. Là, c'est bien, je pourrais un peu avancer les plantes, je pense. J'ai 6 chats, 4 adultes et 2 bébés. Ah oui. Et dire à chaque fois, je suis à 2 doigts de faire vos belles. Alors, si tu veux, Chloé, bah, j'ai une technique qui marche trop bien. Pour éviter les désagréments olfactifs que peut procurer de litière quand tu la vides, porte un masque chirurgical. Et bah tu verras que ça sent beaucoup moins à travers le masque. Mais genre de ouf en fait. Il faut demander plus de dons pour acheter une litière qui se passe tout seul. Ah ouais, alors n'hésitez pas, si vous voulez me faire des dons, il y a la barre qui est juste en dessous du stream. N'hésitez pas, parce que moi je veux bien m'acheter un robot litière là, ça coûte la peau du yonf. Ah, y a pas de souci, alors là je peux faire la promotion de mon PayPal juste pour ça. Pour le reste, c'est pas grave, mais pour une litière automatique, je valide.
J'ai pas de mood ni de plantes. J'ai réglé le problème, oui, c'est ça. J'ai acheté un déo pour la litière à mettre dans le fond. C'est assez efficace. Bah, en fait, moi, ma veto m'avait déconseillé de faire ça parce que les chats sont très attachés aux odeurs. Et quand on met ce genre de choses, ça peut faire en sorte qu'ils ne font plus dans leur litière, justement. Et coucou, Alias, comment tu vas? Oh, mais je viens. Mais du coup, ça veut dire qu'on est bientôt 3100 sur la chaîne. Oh là là. On est de plus en plus nombreux. Et merci Asenia pour le follow, merci à toi. Quand tu fais des motifs de terrain, ça rend toujours hyper classe. Et moi, ça fait bizarre. Peut-être pas non plus, mais des fois, je fais des trucs moches. Hein. Des fois, je fais des trucs, tu te demandes ce qui m'est passé par la tête. Mais j'ai un peu de mal avec cette façade de maison. Et merci Boulet, merci à toi. Et c'est quoi tous ces follows d'un coup, là? Ben, merci beaucoup. J'ai pas trop de soucis en dehors avec les chiens, genre de quel champ. Attendez quoi? Attendez. Ah, j'ai une de mes collègues qui est encore à Disney. Hop, excusez-moi. Un sachet de bicarbonate, du charbon actif attaché. Oui, ça j'ai déjà le truc de charbon là. Il y a un truc qui me perturbe sur la façade arrière là. La façade arrière est un truc que j'aime pas. Je suis à deux doigts de faire ça. Mais si je fais ça, ça va casser toutes les plantes que j'ai mises. Ah, peut-être pas, ça va peut-être les pousser en fait. Non, ça va les casser. Ça fait un mix des deux. Non, pas échelle. Élévation, moi, un 8, je crois. Yes. Alors, ça a désactivé mon reshade. Alors oui, pour ceux qui se demandent, j'ai un reshade. Mais j'ai un reshade qui est extrêmement léger. C'est juste qu'il vient un chouïa recoloriser tout ça. Ouais, mais là, j'attendais, je vais avoir un petit bug, là. Parce que là, je peux pas faire ça. Ah bah oui, bah non, hein. Il faut, Bester sait, il faut qu'il rajoute des trucs. En vrai, vous savez, là, en ce moment, je vous propose un challenge pour faire votre maison de rêve. Mais vous savez, moi, juste... Enfin, juste, c'est bien. Une maison comme ça, là, que je suis en train de construire actuellement, moi, ça me convient. Hein. C'est un peu biscornu. Il y a une tour. Bon, j'avoue, couleur jaune, peut-être pas. Mais... ce genre de maison peut parfaitement me convenir. Tu l'as fait toi-même de quoi? La maison? On met du bicarbonate au fond de la tire, c'est vachement efficace pour les autres. Ça te convient, mais c'est pas le rêve. En vrai, si je devais faire ma propre maison de rêve, c'est dur. Hein. Mais en fait, elle serait dure à retranscrire dans le jeu des Sims. Parce que moi, j'aime beaucoup, par exemple, c'est les maisons de maître. C'est comme ça qu'on appelle. Et des maisons de maître, globalement, et pas c'est des grosses maisons cubiques. Mais avec énormément de détails sur la façade. Sauf que ça, dans les Sims, on peut pas le faire.
Sous ta maison dans les Sims, si elle est cubique, ça fait moche. Direct. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un conduit de cheminée ici sur le côté ou pas du tout? Bah non, on peut pas. Ça tombe pile là. Merde. Bon, vous savez quoi, on est dans les Sims, hein. Parce que moi, c'est là que je veux mettre la cheminée. Parce que là, du coup, si on fait ça... Bah ouais, ça tombe pile là, donc le conduit, il est pas très logique. C'est les Sims. Je l'ai bien placé, là? J'ai l'impression. Le reshade. Ah, oui, le reshade. Bah, en fait, le reshade, j'ai bidouillé, puis bah ça m'a donné ça. Ah bah je me disais bien que je m'étais trompé de... Il est un chouïa trop... Attendez, je vais pas le mettre là. Bah non, si je fais ça, ça a pas de sens. On dirait que le conduit zigzag un peu. Croquis, Nioctober, prêt. C'est plus vert que jaune. En même temps, jardin sans vert, c'est compliqué. Bah non, tu peux faire un jardin d'automne. Et coucou Pita, comment tu vas? Je vais en faire plusieurs et envoyer ma pref. Je pense que t'as... Oui, parce que vous pouvez faire ça aussi, oui. En fait, encore une fois, je suis en train de remarquer que... Chien et chat, mis à part nous avoir rejeté du bardage comme ça, bah, on n'a pas grand-chose comme papier peint. On n'a pas de nouvelles pierres, on n'a rien de tout ça. Heureusement qu'il y a eu la mise à jour avec les nouveaux coloris quand même. Histoire que ça rajoute un peu de... Pas de choses sympas. Parce que... Fouah. Très bien. Grand soleil, les enfants sont à l'école. Je peux poncer New World en t'écoutant. Allez, t'écouter. Mais j'entends plein de gens parler de ce nouveau jeu là. C'est le jeu qui est fait par Amazon, non? C'est pas ça? Et coucou Milena, comment tu vas? Jardin du futur. Contrainte jaune. J'ai fait une serre abondante avec des abeilles robots qui vient chercher à butiner. Oh, c'est marrant. Jardin tournesol. Jardin du futur à thème. Jardin automnal. Ok, c'est pas hyper adéquat. Okay. Ça va, je ne bosse pas. Oh, bienvenue au club des gens qui ne travaillent pas. Par contre, ce que j'aime trop, c'est que ça, ça coïncide parfaitement au niveau de la teinte. Ça, pour une fois. Ouais, RPG, ouais. Et puis, j'ai pris quelques jours au bord du... Attends. Au bord du... Ah, et quoi? J'ai pris quelques jours au bord du surménage. Ah, pardon, ok, j'avais pas compris. Ok, oui, tu as pris quelques jours parce que tu étais au bord du surménage. Ouh là là,